Mbote mbote na balandi nyoso ya magazi to komi wapi na epsa mio toujours que mon magazi to komi wapi za pona koloba bosolo le lokande toujours to la mukaka mona mboka Eliezer Tambwe attaque député national azui délégation ya batu oyo ya manenga o érosion o salemaka o banda kweku ya ka o bakufisa ka bana na bango yango lelo na qualité na ya ki député national a memi bango et pas ministre intérieur mona mboka Olongo Pongo Basil, Oaza vice premier ministre, Ndeskoyo Akei, Ayo Kabango, na qualité de attaque député national, parce que Mandenga est en Lukunga. Amema Kili sous président ya assemblée provinciale ya Lomami, en même temps député provincial ya Mweneditu. Baye Kokutanana ministre intérieur pour na ba difficulté bazanango na province ya Lomami, pe député provincial. Il y a moins dit tout. Bazali a besoin. Il a quoi expliquer ministre intérieur. Le problème est nini. Bazanango na ba province. Boland. Ndeko Eliezer, mon akolo lopango. Magazine Toko Miwapi. 18-14 boy. Avec maladie incurable, combien des enfants à l'air, quand ça devient remarquable. Tout ça, ça monte, Pierre Rouna, pour le Nini, qui sont honorable. Excellent, ça va. Très bien, merci. Vous avez vu, il y en a là-bas, ok. Ndeko Eliezer, moi, la colo le pango. Magazine Toko Miwapi, 18-14 boy. Combien des enfants à l'air, quand ça devient remarquable. Tout ça, ça monte, Pierre Rouna pour le Nini qui sont. Combien des diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça, ça monte, que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans un boulot. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires. Mais quand ils sont là-bas, tous les parents, ils sont tombés par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous, on connaît. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin des vies sociales. Tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Là, faut pas lire des provisions, on fait des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. Moi, c'est l'honorable Valdo Chibangu Mwakasa, le président de l'Assemblée provinciale de Lomami. Vous venez d'être reçu par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Pourrons-nous savoir quel était l'objet de cette audience? Premièrement, c'était pour payer nos civilités, comme nous sommes de passage ici dans la ville capitale. Et deuxièmement, nous avons échangé autour de la situation sécuritaire de la province de Lomami. La situation sécuritaire n'est pas bonne dans la mesure où on assiste à des scènes d'insécurité croissante dans les différentes villes de cette province, notamment la ville de Mweneditu, la ville de Cabinda, mais aussi les centres urbains comme Mwengandajika et Lubao, où nous avons assisté à des scènes très très compliquées où il y a eu tuerie, il y a eu viol, pillage, des maisons cambriolées. Donc, nous vivons le phénomène qu'on appelle phénomène bandit à main armée, très croissant dans cette partie de la province. Et quelle a été la réponse du vice-premier ministre contre ce? Nous sommes très confiants et la conviction que nous avons, c'est que nous avons été écoutés. Il a promis des solutions immédiates, notamment la dotation des moyens de communication, dotation en charrois pour essayer de contourner cette situation au niveau de notre police. Et un mot peut-être à la population? De rester calme, nous nous battons.
nous nous battons pour que cette population puisse retrouver sa paix. Nous nous sommes inscrits dans la logique du chef de l'État où nous devons vraiment, vraiment assurer la paix sociale dans tous les milieux où nous vivons. Et à tous, nous disons sincèrement d'être en paix et d'attendre la solution telle que nous l'a promise l'autorité, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Merci. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai amené deux délégations. Il y a la délégation du président Konstiti, avec à la tête le président du bureau de l'Assemblée provinciale de la Lomami, celui qui venait de s'exprimer, et accompagné d'un député provincial, M. Joseph Mbaye Wamadi, qui est à mes côtés aussi, parce que la province de la Lomami, c'est l'une des 26 provinces. Autant nous plaidons la cause d'autres provinces telles que nous l'avons fait avec les Haut-Katanga, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous faisons la même chose. Et nous avons préféré profiter de la présence, parce que des fois nous venons sans aucun représentant de la province. On a profité de la présence du président du bureau de l'Assemblée provinciale pour poser les questions, les difficultés que rencontre cette province, que je considère comme étant une province jusque-là de sous-traitance, dans la mesure où c'est une province qui n'a pas de moyens de son existence. Il n'y a pas. C'est une province enclavée, une province qui n'a pas tous les moyens possibles. L'aspect sécuritaire vient se poser là-dessus. C'est quelque chose qu'il fallait plaider. Tel qu'il a dit, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a dit intérim, nous a promis, parce qu'il semblerait qu'il y avait déjà deux véhicules qui devraient descendre dans la province de la Lomami. Il y a la distribution des motos qui a été faite. La province de la Lomami était oubliée. Mais nous avons plaidé pour qu'on puisse trouver quelques motos qui devront aller là-bas. Mais pas seulement ça, et aussi les armes. Et augmenter le nombre de policiers afin d'assurer la sécurité. On n'a pas, ça ne relève pas peut-être de sa compétence. On a aussi posé les problèmes d'enclavement. La plupart des coins de cette province sont enclavés. Et nous allons essayer de travailler en collaboration avec lui pour essayer de trouver des solutions quant à ceux. La deuxième délégation que j'ai amenée, c'est la délégation des victimes qui sont là, les victimes de Manenga, là où, suite à l'éboulement, il y avait eu 10 morts. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 mois après, ces morts-là ne sont toujours pas enterrés. Ils sont là, les familles sont par terre, vous savez, nous sommes des Africains, tant que les morts ne sont pas encore enterrés, chaque famille est sur la natte, ce que nous disons, donc ils n'ont pas le droit d'aller travailler, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Alors que même la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. C'est comme ça que j'ai amené, demandé l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour essayer quand même de conscientiser nos amis qui gèrent la province, de faire quelque chose, enfin, qu'on puisse procéder à l'inhumation de ces corps-là. Et ensuite, nous allons devoir continuer avec les démarches si l'État congolais, au niveau national, peut les assister tant soit peu. Vous savez, la lenteur du fonctionnement de l'administration de notre pays, et aussi il y a quelques animateurs qui ne trouvent pas prioritaire les malheurs des autres. Ils sont dans autre chose. Et cet après-midi déjà, le nouveau gouverneur Gentil Ngobila devra faire la mise et reprise avec les gouverneurs sortants. J'espère que, juste après, selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, déjà de demain, il va amorcer des démarches. Au plus tard, le lendemain, on peut trouver des solutions pour que ces corps-là puissent quand même se reposer en paix. Voilà, Toyaki Awana Namimaki délégation Mibale, délégation à Liboso, Eza Oeza, na Mutunango, président, il y a bureau, il y a assemblée provinciale, il y a Lomami. Alors, Toyena Bango Pouke, Bako Kakota, la Makamba Lomami, Lomami, on est à la province, au moins la province, on va Katakata, Mbango, Bapesango, Makokite. Province, c'est comme à loco, la province, il y a sous-traitance. Au commun, la province, Moko Boezo, ils ont dépendre de la province. Parce que Lomami, on a, sans bougima, ils ont été. Il y a un moment, ils ont été, ils ont été, ils ont été. Donc, distance, Moko, il y a 35 km. Ceux qui ont été, il y a Sika. Land Cruiser, il y a Sika. Au Kosala, au moins 2 heures. Menga place wana na sala 2 jours. Donc eza koloba ke eza na ba province mususu eza na difficulté. Lokola banzela ezate, conséquence nango insécurité zokota.
parce que moyen même batuba se déplacer zate insécurité wana ezawana police ezamuke oyibi bakabola ba moto awa babosa na province alomami mais vice premier ministre ministre de l'intérieur alobi akolukata moni azalo kola moboti akotala tana nzungu atasuki mwa supu ya muke zali pour que province alomami akokozwa ta deux motos et puis azwa même mituka alobi mituka ezali pona province alomami ezali pe na manduki oyo bakoki kopesa la police. Mais vice premier ministre a lobby que esengeli kobakisa kobakisa nombre ya ba policiers ezana ba policiers batinda kapona makambo ya election bazana kabinda il faut ba déployer bango pe bakende na province mais d'ici là ba ko recruter pe ba policiers mususu au moins 6000 oyo ba okoka ko combler ba trouver belé pona batu bazala assurer parce que makambo ya sécurité na mwana ditu ezo uta wapi. Les gens ont militaire, mon coboué, basala qui sont qui côté ni qu'on a déplacé, bâti bangokuna. Comme conséquence, c'est comme une tracasserie. Même ceux qui bas côté n'abat policier, il faut bailler bas que insécurité, ezali kouta. Na lingala conditionnel, ezamo apasi. Que l'insécurité viendrait na bandeko ou ya manduki. Alors bandeko wana, il faut que bandenge ni nyako zéré bangoko kamba bango pambate. Province wana ezala Kimia. Balobeli mwana ditu, oyoki président lobeli makambo alubao, alobeli donc. Eza ngana considéré ka province ya Lomami comme une sous-province. Donc, eza autonome te, aéroport eza lagate, avion ekita kakuna te, moutou kapasi, ainsi de suite. Donc, makambo eza mwa ebelem, mais auto yaki komona ye, en rapport na aspect sécuritaire, sinon, eza la bango, bako zwa problème na ba électeur, eza la ba gouverneur, bako zwa problème na ba électeur. Il fallait que qu'une bonne politique se définisse. Awa likolo ba reconnaître pe que tant wazo kabola babosa na ka province à l'omamité. Et puis délégation ami balé to kendaka na quartier manenga bomona kana landa ka bana moko même na hôpital kuna na voici l'homme kuna mbula ebetaka tant ebeti bato bozo mona bazaba to famille misatu wana famille oyo mama oyo abungisi bana 4 na mbula donc ndako ekwei bana na emine bakufi oyo babungisi bana 5 batu 5 pas seulement bana na koko na bango et puis oyo abota maye moko mama na ye moko wana ye pakufi donc bibembe 10 na mbula moko eza eloko moko ebeta mali solo na kisasa te na quartier manenga ti lelo ça fait 2 mois bibembe bakundite bakonzi konzi bazana na makamu na bango akibokonzi mais bazakuna te yango na lobby toya komona ta vice premier ministre ce qui a coûté que ça la pression na gouvernement provincial pour que bakoka kokunda quand même batu oyo bapema parce que boyebi toza ba africain ce qui ndeko na bino akufina bakundi ete okovanda netoko moyen oluka ezate yango toyi awa vice premier ministre a promettre biso que lokola gouverneur asika bazo sala remise et reprise lelo lobby akobenga pour que solution ezwama pas seulement ça tokende pe na affaire sociale tokende okotisa mwa mikanda pour que bakoka kosunga bango parce que tangu ndako ekwei bato bakufi bato wana bazali okola bato bazali na balabala tozali su na posa bashegete bao tozali na bango bakoki il faut to récupérer bango mpona kointégrer bango gouverneur qui va faire sa remise et reprise aujourd'hui et nous aurons déjà la suite à partir de demain par l'entremise de l'honorable Liézer. Ça s'est passé dans la commune d'Engaliema. Nous sommes dans le quartier Manenga. C'était le 21 février 2019. Après Kolanda toujours comme mon musano. Naef Sabino toujours na assemblée nationale 500 députés. Mais tokotinda mutu aloba na makasi te poto lobelai. To lobelaka mwana mboka Eliezer Tambwe parce que makambo azo sala ezomonana. Na qualité na ya député national nyoso azo sala yango ezo senga pe peuple bayeba nini asalaka. Po bayeba pe ko juger auto tindaki. Azo sala musala to azo salate ngai epenge fofana na équipe ya to komi wapi auto tikali na charge ya ko informer bino toza toujours na musala a même tapé lelo remise et reprise ça dit gouverneur oyo ba député provincial ba votaki yasika mwana mboka Jantini Gobila Mbaka mwana mboka André Kimuta oboyebi na kombo wa Leo Somé lelo mukumba ya ville est komi na maboko ya Jantini Ngobila nde akobanda kokume la ville a partir à lelo comme gouverneur ya sika na ville ya Kinshasa yango to sepeli
kola kisabino lolenge et salami ndenge mwana mboka kimbuta akeyi mwana mboka Argentini azui fauteuil ya gouverneur total la soir banana fulu soka ko banana mambo etali banzela biso to komi wa toujours kola kisabino musala. Nous vous remercions aujourd'hui. Je suis tenu au même exercice avec beaucoup de bonheur en confiant à mon tour le fanneau de la ville à votre excellence. Cependant, je voudrais avant toute chose rendre gloire à l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui nous a renouvelé ce souffle de vie et a permis que cette rencontre soit organisée dans ce magnifique cadre de l'hôtel de la ville de Kinshasa, rénové précisément en cette salle polyvalente André Kimbuta Yangu. C'est 7 mai 2019. Il est important, Excellence, Monsieur le Gouverneur, que vous sachiez que toute la population de la ville province de Kinshasa ainsi que moi-même, avons l'honneur de vous réitérer solennellement nos sincères félicitations pour votre brillante élection en qualité de gouverneur. Il m'a semblé également juste de vous rappeler que la ville, province de Kinshasa, est une mégapole où vivent plus ou moins 12 millions d'âmes. Elle est la symbiose de la culture congolaise, marquée par une jeunesse au dynamisme débordant. La République démocratique du Congo, où les influences de tous ordres se croisent au point d'impacter négativement, si on y prend garde, sur la gouvernance de la ville. C'est vous dire que les défis à relever sont énormes. Et que, puis-je vous dire à propos de la rétrocession, sinon vous inviter de vous lancer dans un plaidoyer permanent et fort utile. Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans la vie d'une nation, tout responsable de la République, à quelque niveau qu'il soit, doit apprendre et à développer dans son comportement les réflexes d'alternance.
Découlant du principe, les hommes passent, les institutions restent. Je suis particulièrement heureux ces jours et surtout fier de voir que mon ancien élève, à la personne du vice-gouverneur Néron Bungu, va occuper la place des hauts préfets d'autrefois. C'est cela, j'ose croire, la beauté de la vie et la destinée. Je ne saurais, Excellence, clore cette adresse sans vous exprimer mon profond et ardent vœu, celui de vous voir travailler dans un esprit de cohésion, de compréhension, d'écoute et d'abnégation. Ultime voie de réponse aux attentes des Quinoises et Quinois. Je vous remercie. De remise et reprise entre d'une part son excellence M. Clément Bafi Bazomba, gouverneur et d'intérim sortant, et d'autre part son excellence M. Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur élu de la ville de Kinshasa. Après exécution de l'hymne national, dans son mot de circonstance, le gouverneur intérimaire sortant a notamment félicité son successeur pour sa brillante élection, tout en lui formulant le vœu d'un fructueux mandat à la tête de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila Mbaka. À son tour, le gouverneur entrant a notamment remercié son prédécesseur, ainsi que tous les membres de l'exécutif provincial sortant pour les services rendus à la ville et a profité de l'occasion pour prendre la ferme engagement de ne ménager aucun effort pour servir la population quinoise. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, membres du bureau, madame et monsieur les ministres provinciaux, monsieur le membre du comité provincial des sécurités, monsieur les directeurs généraux des régies urbaines, mesdames et messieurs les chefs des divisions urbaines, mesdames et messieurs les bourgmestres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour nous un honneur et une responsabilité de prendre la parole en ces jours des remises et reprises symbolisant la passation du pouvoir entre le gouverneur intérimaire sortant,
son Excellence Clément Bafipa Zoba et nous-mêmes, les suites de notre élection du 10 avril 2019 en qualité de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous voudrions commencer ces propos en glorifiant Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa grâce et son souffle. Nous voudrions commencer ces propos en glorifiant Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa grâce et son souffle de vie. C'est Dieu seul qui a permis ce moment précis et sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Qu'il nous soit permis de rendre les hommages les plus différents au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par ordonnance numéro 19/42 du 29 avril 2019, a bien voulu nous investir en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. De même, nous saisissons cette occasion pour remercier les honorables députés provinciaux pour la confiance placée en nos modestes personnes, car c'est par leur vote que M. Néron Mbungu et moi-même avons été proclamés élus. Nous leur assurons ici de notre parfaite collaboration afin qu'ensemble nous puissions relever les multiples défis de cette ville et satisfaire ainsi aux attentes légitimes de la population quinoise. Dans le même ordre d'idées, nous voudrions remercier le gouverneur sortant et toute son équipe pour le travail abattu, qu'il soit ici rassuré de notre volonté de consolider les acquis, des actions positives qui ont été réalisées et nous promettons de corriger là où il le faudrait. Aux uns et aux autres, présents ou absents de cette salle, nous disons merci pour le soutien et la volonté manifeste de nous accompagner pour la réussite de ces mandats. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur, Monsieur le vice-gouverneur de Kinshasa, Monsieur le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'inspecteur Moussassa, honorables députés provinciaux, membres du bureau, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que nous prenons officiellement fonction et c'est aujourd'hui que le travail commence. Nous restons confiants que Kinshasa Bobeto sera notre affaire, votre affaire et finalement l'affaire de tout le monde. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mesdames et messieurs, contrairement à nos prédécesseurs qui ont fait la politique politicienne, nous nous comptons faire une politique de gestion axée sur les résultats, comme nous l'avons dit plus haut. L'heure est grave, certes, mais l'heure est venue afin que nous tournions définitivement cette page sombre de l'histoire de notre pays et que nous nous retournions résolument vers l'avenir. Nous, tout compte fait, nous vous réitérons toute notre gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie de remise et reprise. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Et vive
la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Les chefs de division et bourgmestre. Ensuite, nous vous rappelons que les invités se dirigent vers la salle de banquet, juste en face de la salle ici, pour le cocktail, tandis que l'administration urbaine, qui sortira en dernier lieu pour se diriger vers la salle Samuel Kitoko, où il est également prévu un cocktail. Nous vous remercions. Nous demandons à la fanfare de bien vouloir évacuer le hall pour laisser le passage, s'il vous plaît. Voilà,